m'est arrêté au montage des régies de frais. Donc ça c'est fait, c'est fixé. J'ai mis le bocal de frais. Il ne restera plus qu'à mettre le liquide et purger. Avant ça, je vais fixer le frein à main. Il faut que je rénove toutes les pièces, donc il faut que je rénove le frein à main. Au niveau de l'embrayage, c'est mécanique, il n'y a pas de câble. Donc ça c'est pareil. Remonter, donc l'embrayage, frein à main. Ensuite, la tringlerie qui va à la boîte de transfert derrière. Mettre en huile les ponts, la boîte de transfert. Le moteur c'est fait. Voilà, pour que la grosse partie mécanique soit effectuée. Je vais nettoyer, dégripper et peindre toutes ces pièces. Donc ça c'est le frein à main. Ça c'est la tringle pour l'embrayage. Donc la commande d'embrayage, il n'y a pas de câble. Donc c'est ce train avec ce système là qui va actionner donc l'embrayage. Et ça c'est rattaché à la pédale d'embrayage. Donc il faut que je dégrippe les réglages, les filetages là qui sont un peu grippés. Bien nettoyer tout ça. Et ça c'est le levier avec cette tige où il faut aussi que je dégrippe les écrous et les tiges pour pouvoir effectuer les réglages. Donc ça c'est la commande de la boîte de transfert pour les vitesses lentes et le 4x4. Et t'as de ferraille. Va me chercher ma bouteille de gaz au lieu de faire le tocard. Mais je fais pas le tocard. Je me déplace. D'accord, j'y vais. Non, c'est bon, merci. Ben, t'as qu'à aller le brancher, il y a une prise. Ça fera du bien. Je vais fixer la tringlerie maintenant. Bon, ici on peut régler, je ne vais pas le faire parce que j'avais remis comme c'était d'origine et au niveau du levier, le débattement est bon. Bon, je vais m'occuper de l'embrayage, donc monter ce petit mécanisme là avec cette petite platine. Bon, ça va être pas très évident, je vais essayer de mettre la caméra. Bon,
le graisseur, je vais le positionner vers l'avant, c'était comme ça d'origine. Donc voilà, l'axe que je viens d'installer, c'est ce qui tourne ici, là. Maintenant, je vais mettre ce raccord qui va permettre de solidariser la tige avec l'axe de la butée d'embrayage qui se trouve ici. Donc. Et après, il y a deux vis qui vont là et là, ici et ici. Bon, voilà la pédale d'embrayage. Donc c'est normal qu'elle remonte comme ça, parce qu'après, même celle de frein, on voit qu'elle est trop haute. Après, il y a une tôle qui est à ce niveau-là. Et en fait, sous les pédales, il y a une petite rondelle en caoutchouc qui va venir plaquer sous la tôle. Voilà, qui fait étanchéité. C'est pour ça que les deux pédales, actuellement, elles remontent plus. Après, j'ai laissé un peu de jeu, voilà, comme on peut voir, pour la garde de l'embrayage. Donc voilà, donc là, je vais remettre les pédales. Tant qu'il n'y a pas les tôles, ça fera ça. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de câble du tout. C'est tout direct. Même sur la boîte, comme on peut voir ici, j'ai mis le manchon ici. Bon, on ne le voit pas trop bien. Pareil, l'accélérateur, pas de câble. Direct avec des tringles en acier. Donc ça, c'est bien pour la fiabilité et la simplicité du véhicule. Ces petits détails le fiabilisent quand même pas mal. Bon, là, je vais remonter les pédales. Donc faut faire gaffe, elles sont pas la même longueur. La pédale de frein est un peu plus longue que la pédale d'embrayage. C'est juste un petit détail, faut pas se planter, c'est tout. Donc bien sûr, toutes ces petites pièces là, ça prend du temps parce qu'il faut les nettoyer, les repeindre. Donc là, il faut que je me fabrique deux caoutchoucs cylindriques. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça c'est un vieux. Et d'homme. Bon, ça ira, on n'est pas à la NASA ici. Hein. Et dessous, je vais remettre une autre. Ça, c'est une vieille, mais elle est en bon état. Voilà. Comme ça, en gros, la tôle est comme ça, là. Tac. Quand la pédale remonte, ça vient boucher. C'est un système tout bête, mais c'est bien. Allez, hop, voilà le principe. Bon, je vais régler les freins pour les mettre en portée contre les tambours pour rattraper le jeu. Donc je fais ça avec les excentriques, il y en a un de chaque côté. Donc j'ai réglé les freins, donc le but du jeu c'est de venir approcher les mâchoires contre le tambour, juste que ça lèche un tout petit peu, on entend légèrement un bruit,
Voilà, les plaquettes ne frottent pas, il n'y a pas de résistance. Mais elles sont vraiment à fleur du tambour. Comme ça, ça permet d'avoir, quand je vais purger les freins et même pour le freinage, que la pédale ne descende pas trop. Je vais m'occuper des freins. Donc là, j'ai acheté du liquide de frein silicone, pensant bien faire. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais mettre du DOT 4 classique. Dans la dernière vidéo, une personne m'a dit qu'il avait été embêté avec le liquide de frein silicone. Moi, pensant bien faire, j'avais donc acheté ça parce que, soi-disant, c'est le mieux. Sur mes anciens véhicules, je n'ai jamais utilisé de silicone. J'ai toujours utilisé du DOT 4, donc, comme le vieux camion. C'est pareil, pas embêté. Et lui, apparemment, il avait des soucis de fuite au bout d'un moment. Ça a tendance à manger un peu les caoutchoucs s'ils ne sont pas prévus pour. Donc, je me suis renseigné un petit peu, j'ai fait le tour. Oui, il s'avère que c'est possible. J'ai tout changé là-dessus, tout nettoyé. Donc, je pourrais effectivement mettre du silicone. Mais j'ai pas eu la confirmation que tous les caoutchoucs que j'avais utilisés étaient compatibles, notamment au mètre cylindre devant. Et donc je préfère ne pas tenter le diable et prendre ce pourquoi le camion avait été prévu, donc du DOT 4. Donc je sais peut-être qu'il y en a qui vont trouver à redire, mais je préfère être sûr et je sais que j'aurai pas de problème avec ça, alors que ça j'en suis pas à 100% sûr. Donc là, comme je suis tout seul, je vais pas demander à TDF, pas de ferraille. Pour plonger les freins, je vais utiliser ça. Donc ça, c'est une petite chose très simple. Voilà, donc il y a un petit réservoir, ça qu'on vient visser sur le bocal. Donc il y a plusieurs bouchons pour différents diamètres. Et je vais utiliser celui-là, c'est une plaque avec un gros élastique. Et comme ça, on vient le tenir sur le réservoir, le plaquer. Ça permet d'avoir un plus gros diamètre, parce que j'ai pas de bouchon assez gros en fait pour ce bocal-là. Je vais faire un test à vide pour voir s'il n'y a pas de fuite. Donc je vais mettre, ils disent jusqu'à 1,4 bar, mais ça c'est pour le système. Pour les anciens véhicules, il vaut mieux ne pas dépasser 0,7 bar. Je vais mettre 0,5 bar. Bon, j'étais obligé d'utiliser ce système, mais ça va pas du tout à 0,5 bar. Il faut bien que je le plaque. Ça finit par fuir. Bon, même à 0,5 bar, ça fuit. Et leur système de bride avec cet élastique, c'est pas assez fort pour empêcher que ça fuit. Donc même voilà. Donc j'imagine même pas si je mettais un bar. Donc ça, c'est pas très heureux comme système. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire une petite plaque en acier avec deux tiges filetées pour venir bloquer avec des écrous et bien plaquer sur le bocal directement. On va tenter ça, j'ai pas de bouchon. Je cherchais un bouchon, j'en ai pas. Donc il faut faire autrement. Allez hop, ça me servira toujours de toute façon. J'ai coupé deux tiges filetées. Bon, j'ai coupé un peu plus long pour rendre l'appareil un peu plus, on va dire, universel. Donc le but du jeu, hop, c'est ça, comme ça. Une petite rondelle, un autre vis-papillon. Donc voilà l'installation. Donc là, je vais venir bloquer les vis en espérant que ça ne fuit plus. Ben voilà, je vais pouvoir purger mes freins sans chercher un autre pied. Eh oui,
Avant de mettre le low kick de frein, je vais contrôler que tous mes purgeurs soient serrés. Sinon, ça va faire tout drôle. Donc, j'en mets un peu dans le bocal. Ensuite, je vais mettre du liquide dans le réservoir. Donc, quand je vais avoir... Je vais bien y arriver. Quand je vais envoyer la pression, donc je vais mettre 0,5 bar à peu près, parce que c'est un anneau du compresseur. 0,5 bar, je vais mettre du liquide. La pression va monter là, elle va pousser le liquide dans le bocal. Et au fur et à mesure que je vais ouvrir, ben, ça va remplir le bocal. Donc je n'ai pas besoin de surveiller. À moins que je passe tout le bocal, mais bon. Ça a l'air bon. Donc, vous le savez sûrement, nous on commence toujours par la roue la plus éloignée du mètre cylindre. Donc, le mètre cylindre, en l'occurrence, il est ici, donc roue avant gauche. Donc, je vais faire arrière-droit, arrière-gauche, avant-droit, et je finis par l'avant-gauche. Donc là, je vais ouvrir et on va attendre gentiment que ça arrive. Donc, comme il est vide, il faut attendre un peu. Et voilà, c'est parti. Là, on a vu, bon, je sais pas si on voit bien, là, il y a de l'air encore. Plus qu'il y ait du tout d'air. Bon, mais apparemment pas de fuite apparente. Normalement, il ne devrait pas en avoir parce que j'ai tout refait, mais bon, des fois, on ne sait jamais, un raccord mal serré, un joint mal mis. Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, après, toujours pareil. Il faudra avoir ça lors des essais routiers. Maintenant, il faut que je rattache mes câbles de frein à même. Voilà, donc c'est tout simple. Voilà, là, il y a un petit réglage. Pareil de l'autre côté. Et ici, il y a deux trous, donc un pour cette roue et l'autre pour le câble de frein à main qui actionne donc cette grosse barre ici qui tourne. Voilà, c'est tout simple. Ah, ben ça c'est fait, c'est une belle étape, mine de rien, bien content d'en arriver jusque là, sans trop de problèmes en fait, hein. Ça s'est bien passé. Donc la partie châssis, mécanique, train roulant, frein, direction, ben tout est fini. Hein. Donc prochaine étape, le moteur, circuit d'essence, radiateur, alternateur à fixer, peut-être un démarrage prochaine fois. Donc abonnez-vous si vous voulez pas manquer ça. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.